Où est-ce qu'on est là? Ah, on est dans le parc de la résidence où j'habite, à Montrouge, au bord du périph, qu'on entend un petit peu là. Et plus concrètement encore, on est devant l'entrée du local poubelle. Par la force des choses, je dois y aller assez souvent, mais j'y vais aussi souvent avec un autre espoir que simplement de laisser les ordures et tout ça. Et souvent, ce que j'espère se trouve là, c'est la boîte à livres de la résidence. Et à vrai dire, je n'ai jamais vu des gens se servir, donc je ne sais pas exactement qui apporte des bouquins et qui repart avec des bouquins. Mais je sais que moi, ça fait 2 ans que j'habite ici et j'ai quand même souvent trouvé mon bonheur. Par exemple, là, très concrètement, si je ne l'avais pas déjà, figure 1 de Genette, je l'aurais pris. Ou alors les écrits de Bernard Dorff pour le théâtre, par exemple, je l'aurais pris aussi. Et puis, si j'étais cinéphile, ou s'il y avait un cinéphile dans la résidence, il serait bien content parce que, par exemple, il y a Éric Rohmer, il y a André Bazin, Sacha Guitry, le cinéma colonial, etc. Donc là, il y a plein de trucs sur le cinéma. Ou celui-ci aussi. Non, ça non. Bon, évidemment, comme partout, il y a aussi des vieux que sais-je qui valent plus rien, c'est-à-dire qui n'ont plus aucune valeur en termes de... Mais par exemple, l'anthologie de la poésie par Pompidou, Voltaire, etc. Qu'est-ce que ça dit des résidents ? Très souvent, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui est décédé et les enfants, les petits-enfants ont amené ça ici, quoi. L'administration, la politique économique, l'islam, Bandung. Donc voilà, ça dessine, rien que là, la série des vieux que sais-je, ça dessine un profil de personne, peut-être plus de personnes que de lecteurs, quoi. C'est peut-être pas quelqu'un qui lisait de la littérature, mais quelqu'un qui travaillait dans l'administration, dans un ministère. Parce que là, je pense qu'il y en a tellement que ça dépasse la question de la curiosité de Et en fait, moi, ce qu'il y a... Alors, concrètement, je ne sais pas quelle est trop l'histoire des boîtes à livres. Je ne sais pas si c'est une vieille pratique ou autre. Mais je me dis qu'aujourd'hui, c'est un peu la fin de la chaîne du livre, quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas les bouquinistes, ce n'est pas non plus un ami qui vous offre un bouquin ou qui vous prête un livre à lire. C'est vraiment, on est à la fin du fin, c'est-à-dire des gens qui ne cherchent même pas à faire de l'argent avec leurs livres, ne cherchent pas à les amener à Gibert et les offrent. Alors je ne sais pas donc, si c'est pour s'en débarrasser ou si c'est parce qu'il y a une idée généreuse derrière, quoi, en se disant que ça va faire le bonheur de quelqu'un. Je ne sais pas, je n'ai pas mené d'enquête, mais de fait, moi, ça fait mon bonheur. Et en fait, je comprends un peu ça sur plein de plans, quoi. C'est-à-dire les livres sont trop chers, ça c'est, pour moi, c'est vraiment une conviction. Quand on achète un livre de littérature générale qui vient de paraître à 22 euros, c'est pas normal, quoi. Ça devrait être à 15 ou 16 euros. Les livres sont trop chers, même d'occasion, j'aurais envie de dire. Et donc voilà, je suis jamais choqué par ces boîtes à livres. Il y en a aussi là tout près de chez moi sur la ligne de tram, les arrêts de Porte d'Orléans ou de Didot, il y en a, qui sont pas du tout fournies, il n'y a rien dedans, mais elles sont là, quoi. Et je sais pas, j'aime bien cette idée comme ça de quelque chose qui échappe au radar de la chaîne du livre, c'est-à-dire c'est pas comptabilisé dans les ventes, c'est pas comptabilisé dans les lectures, dans les lecteurs, dans les lectrices. Mais voilà, ça circule quand même, quoi. Dans les boîtes à livres, c'est comme si la littérature, même les grands chefs-d'œuvre, redevenait très très prosaïque. Et donc presque un peu plus humaine, quoi. Un beau Balzac qu'on récupère là, c'est un Balzac qui est encore en train d'errer dans les rues de Paris, quoi. C'est pas le Balzac de la Pléiade, etc. Donc voilà, moi c'est un peu ce qui me touche. Est-ce que vous en mettez vous-même? Alors ça c'est la... Normalement oui, il faudrait. J'avoue que je le fais pas souvent. En fait, pour l'instant je suis pas coincé par la place. Et donc tant que c'est pas le cas, j'hésite à me séparer de livres que j'ai depuis une dizaine d'années que j'ai toujours pas lus, mais qui clairement, si je devais déménager pour plus petit, clairement là j'en remplirais trois fois ça, quoi, parce que je me trimballe vraiment des livres
dans lesquelles je ne mets pas le nez, plutôt des, disons des nouveautés, mais des nouveautés que je peux avoir depuis 10 ans et que je garde au cas où. Mais c'est vrai que sur ce plan-là, je ne suis pas très réglo, je l'alimente moins que je ne la vide. On est dans le hall de l'immeuble, escalier B. Et donc, il y en a une autre qui, je pense, n'est pas alimentée par les mêmes personnes. Et dernièrement, il y a eu comme une chose un peu significative, c'est qu'il y a eu plein d'exemplaires, de vieux exemplaires de la série noire qui ont été apportés là. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est toujours la même personne, il y a quelqu'un qui de temps en temps y met de l'ordre. Quand les livres sont restés trop longtemps, tout d'un coup ils finissent par disparaître. Et là aussi j'ai ramassé des fois des trucs qui me plaisaient beaucoup. Là je l'ai alimenté un petit peu celui-là par contre, ça m'est arrivé de descendre des bouquins là. Comme on ne se parle pas, comme il n'y a pas, je ne sais pas, un fil WhatsApp des gens qui mettraient des livres là, si ça se trouve, je fréquente des gens ou je ne les fréquente pas, c'est-à-dire on se salue ou on ne se salue pas, alors qu'en fait je récupère leurs bouquins peut-être. Et donc ils ne savent pas que leurs livres ont une deuxième vie chez moi. Donc normalement on devrait être amis, puisqu'ils ont eu ces livres, ils ont voulu les acheter, j'ai voulu les récupérer. Donc on a des points communs, mais peut-être on continue de s'ignorer et pas se dire bonjour quand on se croise dans la cour. Donc c'est assez, cette circulation très secrète des bouquins, là, elle est assez amusante. Anonyme, jusqu'au jour où quelqu'un mettra il y aura le nom d'une dédicace et à ce moment-là... Oui, oui, ou on pourrait même imaginer dans tous les films romantiques, il y a ça, que quelqu'un glisse une petite lettre à destination de celui qui empruntera le bouquin. Ouais. Mais même dans la rue, moi, par exemple, dernièrement, j'étais à Vanves et un appartement avait été vidé. Ça, c'était vraiment un dépotoir sur le trottoir, mais dans ce dépotoir, il y avait beaucoup de livres. Et donc c'était vraiment un peu dégueulasse, mais je suis reparti avec une vingtaine de bouquins, quoi. Que des classiques, genre plusieurs Dickens que j'ai toujours pas lus. Je sais pas ce qu'il y avait d'autre, il y avait Les Pensées de Pascal dans une édition que j'avais pas. Deux, trois bizarreries là, que j'ai plus en tête. Et je suis reparti, j'étais trop heureux, quoi. C'est avec l'idée que, en fait, un livre ne sera jamais sale, même si il est sur le trottoir à côté de la chaise percée de la personne qui est décédée. voilà, j'ai quand même un élan d'amour pour le bouquin, même s'il a passé 3 jours dehors et qu'il est couvert d'une poussière dégueulasse. Je l'accueille. Balzac, il est très très bien dans la rue, quoi. Il en vient d'une certaine manière, pas au sens de son extraction sociale, mais il y a emmené sa littérature, quoi. Donc c'est, il n'y a pas du tout de contre-indication. Ça peut être ramassé sur le trottoir. Et moi, je trouve ça au contraire très stimulant, le fait que des œuvres puissent naître et circuler dans des endroits qui ne sont pas faits pour elle, a priori, mais où justement il y a cette énergie de vie partout, quoi.